Salut à tous, c'est Powerfish, on se retrouve pour une vidéo. Donc ce sera sur comment changer un hameçon trick d'un jig ou d'un micro jig. Donc j'ai mon jig qui est là, qui a pris un coup de vieux parce que j'ai pris un bar 40 avec, je vous mettrai la photo. Du coup il a pas tenu. On a qu'à casser, le petit s'est retourné, donc c'est un peu bordel. Je prends un cutter, et je sais pas si vous voyez la petite boucle là. Hop, on va essayer de la transpercer. C'est parti. Donc tac, ça c'est fait. Voilà, donc il est mis. Donc il fait à peu près la même taille que lui. Il doit être peut-être un petit peu plus gros. Il doit être du 16. Celui qui a été cassé, ça devait être du 16. Du 15. Ça c'est du 14. Peut-être que ça sera un petit peu plus résistant. J'espère que ce sera un peu plus résistant parce que je compte bien prendre des beaux poissons avec ça. Donc voilà. Sinon, j'ai acheté 2-3 leurres que je vais vous montrer. Alors je me suis fait un peu plaisir. J'ai acheté le Poco Poco, le Poker. Poco Poco de chez Poco Poco Tetra War. C'est le F. Il doit faire 5 cm, 4 cm. Je crois qu'il fait 3,8 g. J'ai acheté ça, j'ai acheté une petite tête plombée SP6 de Bretagne. Je suis en Bretagne. Donc je les avais déjà pris ceux-là, ils étaient pas mal. Peut-être pour moi, il y en a 5. Okay. Je pense qu'ils sont pas très chers en plus. Sinon, je me suis acheté des Daiwa. Parce que je sais pas. Une sorte de virgule avec des longues. Des longues queues comme ça. J'en ai une. Deux, la 12 et ses couleurs, une couleur un peu naturelle, couleur bleu pailleté, on va dire. Sinon, je me suis pris des Power ISO, ils sont là. Ouais, des Power ISO. Là, il y en a plus dans le paquet parce que je les ai mis dans une boîte bulle. Je l'avais mal ouvert. Donc des Power ISO, je crois que c'est les tailles L. Ouais, c'est les tailles L. Couleur normale, grisée en fait. Couleur marron grisée. Donc je pense que pour le lait, ça va être pas mal. Monter sur un petit hameçon simple. On dit sur un petit hameçon simple, on pique la tête. Et si vous pêchez dans les ports, tout le long des ports, normalement, pareil. Vous voyez, il y a le quai, et tout le long là, c'est plein d'algues. Et les poissons, ils cherchent, dans les algues, ils cherchent des vers, ils cherchent des puces de mer, ils cherchent des volets, ils cherchent plein de choses dedans, donc c'est intéressant de pêcher là-dedans. Puis des fois, vous allez en voir le dos retourné, par exemple. Ça va tout briller là, puis vous mettez, normalement, vous vous cachez un peu, parce que si vous voyez, un mulet, c'est assez, on va pas dire con, mais c'est, voilà quoi, c'est un poisson. Donc si vous voyez, enfin s'il vous voit, normalement, il envoie plein dans la journée, les gens, il partira peut-être pas, mais si vous faites un geste gros, c'est pas grave, il va se barrer. Donc faut vraiment, limite, être derrière. Si vous voyez là, contre le mur en train de manger, vous lancez devant, là, 3 mètres devant, et vous ramenez tout doucement et vous le laissez plonger devant sa bouche. Et normalement ça devrait le faire. C'est la fin, ça devrait le faire. Sinon, ben c'est tout. Ben, je me suis acheté aussi des hameçons trick. Ah si, je me suis acheté des têtes plombées. En 2 grammes, 1 gramme 5. Peut-être pour lui ça vaut, j'ai de la langue. Ouais. C'est pas mal ça. Je crois qu'ils sont super résistants, ça, nickel. Sinon, bah voilà. Donc, à plus. À plus, bah, je vous ferai
Demain, je pense que je vais aller à la pêche, je vais aller pêcher le bar au poker, du poker dans Port-Paul. Que j'irai faire du mulet, j'essaierai avec les Power Rhythm du mulet. Puis si je vois que le Power Rhythm ça marche pas beaucoup sur le mulet, bah j'essaierai au pain. Au pain, on va dire juste un son simple et j'ai une petite âme sur simple normalement, bon, je ne veux pas là. Les petits hameçons simples qui vont nickel. C'est des petits hameçons à cardon, genre grand comme ça, mais super super solide, super résistant. Donc ça je mets une boulette de pain à peu près grande comme ça là. Comme ça, ouais. Une boulette de pain grande comme ça, puis normalement ça tape direct. On en prend, j'en ai fait 3, mais je pense qu'on peut en prendre beaucoup plus. Beaucoup plus, parce qu'il y en a beaucoup, on décroche 5. C'est une toute petite bouche, donc ça s'inscrit le corps de la lettre. Bon bah, au revoir, à plus.